Salut à tous, c'est Gauthier et Shorwen Matisse. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. On va vous montrer quelques astuces, quelques techniques pour améliorer votre connexion internet. On y va, c'est parti. Juste avant que cette vidéo commence, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça nous ferait super plaisir, on approche des 200 000 abonnés. Je sais qu'on le dit beaucoup, mais 200 000 abonnés, ça nous fait tellement rêver qu'en plus, il y a un PC, pas un, mais même deux PC, pour un total de 2000 euros au total qui sera à gagner tout simplement pour les 200 000 abonnés. Il y a également notre très gros projet qui nous prend beaucoup de temps, mais qui arrive normalement très bientôt. Donc voilà, on vous en dit pas plus, mais restez connectés et pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ça, et n'hésitez pas aussi à mettre un petit like. Voilà, c'est vrai qu'on avait déjà fait une vidéo comme ça, comment améliorer sa connexion internet. Il y a un ou deux ans même, elle vous avait, mais énormément plus, il y avait plus de 10 000 likes sur la vidéo. Enfin bref, donc ici n'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo, ça nous aiderait vraiment. Alors cette vidéo va être divisée en plusieurs catégories. On va d'abord parler de la manière d'améliorer son Wi-Fi avec par exemple un routeur, et on va vous parler de l'utilité du Wi-Fi 6, et on va également vous parler de deux autres alternatives qui, une, est en rapport avec le Wi-Fi, donc pour améliorer la portée. On va parler du répéteur Wi-Fi, et on parlera également à la fin de comment tirer son Wi-Fi lorsqu'on veut avoir une sorte de long câble Ethernet. Quand c'est pas possible de tirer un câble Ethernet de 100 mètres, et vous avez une alternative, ça s'appelle la CPL, et ça on en reparle à la fin de la vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo comment améliorer sa connexion internet? Il faut savoir qu'avoir un PC à 5000 euros, 10000 euros, 20000 euros, c'est très bien, mais la connexion internet joue un rôle clé dans le fait de pouvoir bien utiliser son PC gamer. Télécharger des jeux comme GTA qui font 70 gigas, ou même plus récemment avec le nouveau Call of Duty, donc Modern Warfare, qui fait 128 gigas. 128 gigas, c'est l'espace total d'un SSD quoi. 128 gigas, c'est un truc de fou. Et bien, ça prend un temps de fou si vous n'avez pas une bonne connexion. Alors, on a de plus en plus la fibre qui commence à s'étendre. Et j'espère pour vous que vous êtes de plus en plus à posséder la fibre. Mais malgré tout, il y a encore beaucoup de gens qui sont à la DSL, ou même ces personnes, bien simplement, qui ont la fibre mais qui n'ont pas le matériel adapté pour pouvoir bien en profiter. C'est pour ça que cette vidéo est faite aujourd'hui. Et pour tenter d'améliorer votre connexion internet, Netgear a participé pour cette vidéo et nous a envoyé trois produits. Vous allez voir, une CPL, un routeur et un répéteur Wi-Fi. On va vous expliquer tout simplement à quoi ça sert pour chaque. C'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai que, comme tu disais, avoir une bonne connexion internet, c'est aussi bien par exemple si vous faites du stream, si vous voulez vous lancer simplement sur Twitch, sur YouTube, faire des streams, mais aussi voilà, avoir un jeu fluide. Ok, vous avez un écran 144 Hz avec une RTX 2080, mais si ça lag et vous avez 200 ping, ça le fait pas non plus. Vous l'avez bien compris, c'est crucial d'avoir une bonne connexion internet pour profiter au maximum de son PC gamer. C'est ça, c'est hyper important. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Netgear, on n'est pas payé ni rien. Simplement, on leur a proposé le sujet de la vidéo, on a dit voilà, on aimerait bien refaire une vidéo sur comment améliorer sa connexion internet, et on leur a demandé s'ils pouvaient nous envoyer trois produits qui sont trois alternatives, trois possibilités afin d'améliorer la connexion. Vous allez voir que chaque produit qu'on va vous présenter aura un cas de figure bien particulier. On va commencer vraiment par la base de la base. Alors déjà, il faut savoir que malheureusement, tout le monde n'est pas égaux au niveau de la connexion internet. Certains, comme je l'ai dit au début, possèdent la fibre, d'autres non, d'autres ont l'ADSL. Voilà, chacun a des connexions différentes. A des débits différents. C'est ça, a des débits différents. Et même au niveau des débits, ça peut encore varier. Ouais, c'est pas ça. Parce que quelqu'un a un ADSL que ce sera le même que l'autre. On va pas parler de 4G dans cette vidéo, parce qu'au final, on retrouve des problèmes qui sont quasiment la même chose. Certes, vous pouvez avoir un routeur 4G avec la 4G illimitée. Certes, vous allez pouvoir avoir des alternatives pour vous aider à améliorer votre connexion internet. Mais nous, ce sur quoi on va vraiment se concentrer aujourd'hui, c'est comment essayer d'avoir jusqu'à votre PC gamer les meilleures performances grâce à votre modem. Alors de nouveau, les modems, tout le monde n'est pas égaux, il y a certaines marques qui vous proposent des modems plus performants que d'autres, mais ce qu'on va essayer de vous proposer aujourd'hui, c'est des alternatives qui vont pouvoir être utiles à tout le monde. Reprenons tout depuis le début. Imaginons que vous montez vous-même votre PC gamer. Comme vous savez, on peut relier directement son PC par internet directement avec le câble Ethernet, qui est pour nous la plus vieille des manières et la meilleure. C'est très simple, suffit de mettre son câble dans son modem, dans son PC, il n'y a pas de perte, c'est vraiment la meilleure solution. Mais vous en doutez bien, et c'est le problème qu'on retrouve un peu partout, c'est qu'on n'a pas toujours le modem à côté de son PC gamer. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter plusieurs alternatives si vous vous trouvez loin tout simplement de votre modem. C'est ça, on en reparlera après des alternatives qu'il y a pour être toujours connecté via plus ou moins le câble, mais lorsque vous êtes plus loin de votre modem. Il y a également l'autre moyen de se connecter à internet, et c'est tout simplement le Wi-Fi. Vous l'avez tous sur vos téléphones, tout le monde l'utilise, mais c'est vrai qu'en général, on essaie de privilégier la connexion par câble lorsqu'on est sur un PC gamer. Tout simplement parce que la connexion Wi-Fi est beaucoup moins stable, on a beaucoup plus d'interférences, et généralement, la meilleure manière, c'est de se connecter par Ethernet, et c'est pour ça qu'en général, on vous conseillera toujours de le faire si c'est possible. Malheureusement, c'est pas toujours possible, et c'est pour ça qu'on va voir les alternatives. On va commencer avec la première alternative, qui est peut-être pas la meilleure, on vous donnera notre avis juste après, mais en tout cas, c'est le routeur. Alors, qu'est-ce que le routeur? En bref, c'est très simple, c'est un appareil
qu'on peut retrouver sur différents modèles, sous différents designs, sous différentes puissances, qui va tout simplement se relier, se connecter avec votre modem, par exemple SFR, je sais pas, Telenet, enfin bref, peu importe le modèle, qui va se connecter et ça va tout simplement améliorer les débits, la puissance, mais surtout ce routeur a des technologies que le modem n'a pas, ça. Tout ça pour tout simplement améliorer, booster votre connexion internet. Ici pour le coup, Netgear nous a envoyé le Nighthawk AX12. Avec la technologie Wi-Fi 6, on vous en parle dès maintenant. C'est ça. Alors en fait, à quoi ça va servir un modem vraiment ? Vous avez tous une box internet qui vous a été livrée par votre opérateur. Le problème, c'est que beaucoup de ces routeurs, eh bien, ne sont tout simplement pas faits pour soit gérer autant de débit si jamais vous avez la fibre ou des choses comme ça, soit ne sont pas optimisés pour le fait d'avoir beaucoup d'appareils, le fait d'avoir plusieurs câbles internet connectés en même temps. Il y a plein de choses qui peuvent faire que tout simplement les marques essayent d'économiser en vous donnant des routeurs qui sont un petit peu lambda, qui certes fonctionneront pour une grand-mère ou quoi, mais qui ne sont pas forcément optimisés pour vos utilisations, et eh bien que vous pourrez en avoir un peu plus gaming ou professionnel. Et c'est là que ces routeurs-là entrent en jeu. Alors c'est pas un routeur gaming à proprement parler, il y a des routeurs gaming. Ici on est vraiment sur un routeur plus professionnel qui va permettre d'améliorer tout simplement le réseau qui aurait pu être émis par votre modem à vous. C'est ça. Ici par exemple sa particularité c'est qu'il a le Wi-Fi 6. Alors le Wi-Fi 6 on va vous en reparler après avec la carte mère Asus qu'on a qui l'intègre également nativement. Le Wi-Fi 6 en gros c'est une amélioration, c'est une nouvelle génération de Wi-Fi qui vient remplacer le Wi-Fi 5 que tout le monde a jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça va améliorer? Ça va principalement améliorer donc les débits qui vont être encore plus rapides, et ça va surtout améliorer ce qu'on appelle le multi-device. Ça veut dire qu'en gros vous allez pouvoir avoir plus d'appareils connectés simultanément. Vous le savez très bien, hein, lorsque vous êtes en train de jouer, il suffit que votre soeur ou votre grand-mère lance Netflix, c'est fini. Et c'est bon, c'est fini, les débits commence à chuter, etc. Et c'est très handicapant. C'est pour stabiliser le Wi-Fi. Ça, c'est vraiment une manière de stabiliser ça, étant donné que on a en fait beaucoup plus de bandes, ça va stabiliser le Wi-Fi, ce qui va faire qu'en fait, même si quelqu'un va simplement lancer du streaming sur YouTube par exemple, ou que quelqu'un va se mettre à télécharger un fichier, vos débits ne vont pas chuter ou s'écrouler, ça va être stabilisé et ça va normalement les diviser plus ou moins pour essayer de rester stable. Et donc ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est l'un des gros problèmes du Wi-Fi actuellement, et bien c'était ce problème là. Et c'est donc ça. Ça le Wi-Fi 6 malheureusement ça n'améliore pas la distance, car ça c'est un problème qu'on continue toujours à avoir, on n'arrive pas à améliorer la portée, c'est ça, des Wi-Fi. Idem pour la 5G d'ailleurs, je fais un tout petit rapprochement avec ça. La 5G va apporter des débits encore meilleurs, ce qu'on peut comparer au Wi-Fi 6. Mais pas la portée. Et la portée est encore plus réduite, vu que c'est des ondes encore plus courtes. Et donc il faudra mettre encore plus d'antennes. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire qu'en gros, on n'améliore pas la portée avec, pour le coup, ici, ce routeur. Pour la portée, on en parlera tout à l'heure avec le répéteur Wi-Fi qu'on a ici en dessous. Mais en tout cas, ça va permettre de vraiment améliorer notre connexion internet. Surtout si jamais votre modem est de basse qualité. Et ça dépend de votre opérateur. Et le gros problème sur un modem, j'ai envie de dire lambda, comme tu disais, de votre opérateur, c'est qu'il y a souvent des surchauds. Si vous mettez vos 4 appareils, vos 4 PC connectés en Ethernet sur votre modem, ça ne va pas le faire, ça va surchauffer, vous aurez des paires. Voilà, en un coup, vous aurez 3 de ping et puis vous aurez 200 de ping, c'est le bordel. Donc ici, c'est pour ça qu'on a un routeur avec un bon refroidissement et surtout avec des bons composants internes. Ouais. On a un processeur là-dedans, et oui, attention, on a un quad-core de 2,2 GHz et on a tout simplement un petit ventilateur qu'on peut retrouver ici, je vous ferai un petit plan. Pour éviter que le processeur chauffe trop, ainsi ne pas avoir de pertes. C'est ça. Ici, le modèle, il nous a bien fait rire, puisque c'est vraiment, on va dire, un peu futuriste. C'est ça. Regardez, c'est comme une Tesla Model X, peut-être pas, mais en tout cas, ça se lève. Et ça tout simplement. Mais à quoi ça sert d'avoir ces petites ailes? C'est pas que pour faire joli, c'est surtout parce qu'on a 4 antennes dans chaque aile ici, donc 4 ici et 4 ici, 8 au total, tout simplement pour connecter 8 appareils en Wi-Fi simultanément, ainsi diviser le Wi-Fi et avoir des meilleurs débits et ne pas avoir de pertes tout simplement. Donc ça consiste vraiment à garder une stabilité pour son Wi-Fi et pour sa connexion internet. Donc je pense à tous les streamers, quand on a été chez Zokiri par exemple, il avait un routeur comme ça avec tous les PC, donc le PC de Kenny, etc., pour qu'il puisse streamer simultanément, mais aussi dans des bureaux, dans des entreprises, pour que tout le monde puisse utiliser son PC avec une connexion internet qui est stable et qui est fluide. En fait, le Wi-Fi 6, il a vraiment été créé également à cause des IoT. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de choses connectées. Vraiment, tout est connecté aujourd'hui. Votre montre, votre téléphone, votre PC, Notre PC fixe, les aspirateurs, non mais vraiment tout. Vraiment, les assistants vocaux et ça, tout est connecté aujourd'hui. Un Google Home est connecté à internet. Et le problème, c'est que, ben voilà, mine de rien, alors même si certains en consomment plus que d'autres, un PC gamer consommera beaucoup plus de connexion que pourrait consommer un téléphone ou un frigo. Ouais, mais malgré tout, le fait d'avoir de plus en plus d'appareils connectés, eh bien, fait que le Wi-Fi, eh bien, lorsqu'il était utilisé, eh bien, commençait à saturer. Et donc, en rajoutant des antennes, ça permet de mieux gérer, comme j'ai dit, le multi-device. Et c'est extrêmement intéressant à l'heure actuelle. Et même dans votre famille, simplement en ayant plein de téléphones connectés, je veux dire, voilà, vous
vous êtes 4 dans une famille, disons 4, et encore là vraiment on vise le bas du panier, ça peut monter disons que même 6 ou 7, ouais. Et bien imaginez que chacun ait un téléphone, ouais, un PC portable, une télé connectée, même qu'il y a, je sais pas, de nouveau un Google Home dans chaque chambre, ça part vite fait en couille, et c'est là que c'est le Wi-Fi 6 intervient. Et c'est là que le routeur est important. Ça, et c'est là que le routeur peut être intéressant. Également, ce routeur, ce qui est super intéressant, c'est que on a une application qui permet de tout gérer, on peut voir tous les appareils connectés en direct, avec les débits, on peut etc. voir voilà, à combien de débits on alloue à chaque appareil, on peut désactiver des appareils pour faire chier votre petite sœur là qui est en train de vous voler tout votre quoi à cause de Netflix. Vous pouvez désactiver ça directement depuis l'appareil, c'est extrêmement intéressant et ça peut vraiment s'avérer utile. Et je pense que plus les années vont passer, plus ça va se commencer à être utile. C'est ça. Et j'ai aussi vu tout simplement, dernier petit point, c'est que par exemple, si vous regardez un film en 8K, alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui regardent des films en 8K, mais en tout cas, il y a déjà des TV qui sont commercialisés, il y a déjà, enfin, ça existe en tout cas. Tous les modems qui existent à l'heure actuelle ne permettent pas de rendre et de fournir assez de débit pour de la 8K de manière fluide. Et donc ici, le routeur sera aussi important. Ce routeur ici coûte 399€. On vous mettra le lien en description. Si vous avez la fibre, comme je vous ai dit, vous êtes plusieurs à streamer, etc. Vous êtes une grande famille. Ce produit va vraiment vous aider et ça, c'est sûr et certain. Comme vous l'avez entendu, on a parlé du Wi-Fi 6 qui était introduit grâce à ces nouveaux routeurs, grâce également à un autre appareil dont on va vous parler après. Mais à quoi sert ce Wi-Fi 6 s'il n'est pas, et bien tout simplement, adapté aux appareils? Car oui, c'est bien d'avoir du Wi-Fi 6, mais tous les appareils ne sont pas compatibles avec. Et donc, il faut tout simplement avoir une antenne réceptive qui permet de l'exploiter. Alors ça l'est sur les nouveaux téléphones comme le Samsung Galaxy S10 ou par exemple l'iPhone 11, mais ça commence également à se démocratiser sur les appareils plus haut de gamme pour les PC gamers. Alors comme on l'a dit, voilà, le Wi-Fi 6 c'est pas accessible à toutes les bourses et ça va être la même chose pour les cartes mères. C'est vraiment quelque chose qui est qui vise les personnes qui ont vraiment une nécessité de connexion de débit très importante, et c'est des personnes qui généralement sont des professionnels, que ce soit du stream ou même simplement de l'esport, ou même en général simplement des personnes qui dans leur travail ont besoin de bon débit. Et donc c'est des personnes qui pourront se permettre d'acheter des cartes mères également un peu plus chères, comme avec cette carte mère-ci qui est donc la Corsair 8 Hero de chez Asus. Alors on en reparlera très bientôt parce qu'on va tester le petit processeur qui est dessus, un petit R9. Voilà, on vous en dit pas plus. Donc on reparlera très bientôt de cette carte mère, mais elle est tout simplement nativement compatible avec le Wi-Fi 6, étant donné qu'elle inclut une carte Wi-Fi qui permettra donc tout simplement d'exploiter au maximum ce routeur. Il y a également des cartes Wi-Fi qui viennent se mettre tout simplement en PCI Express et qui elles permettent également d'exploiter le Wi-Fi 6, et c'est d'ailleurs Asus qui font parmi les seules cartes Wi-Fi qui le permettent. Exactement, très intéressant, et on voit que le Wi-Fi 6 se démocratise dans l'hardware. C'est ça, à mon avis d'ici quelques années ça deviendra quasiment la norme comme l'était le Wi-Fi 5. Maintenant on va avoir une alternative moins coûteuse, il s'agit du répéteur Wi-Fi. Qu'est-ce qu'un répéteur Wi-Fi d'abord? C'est ça, alors maintenant le répéteur c'est assez simple, en fait c'est un produit qui va faire le relais entre l'endroit où vous voulez avoir les débits et la connexion désirée et votre modem. Généralement, ça va être utilisé lorsque vous êtes assez loin de votre modem. Si vous êtes proche de votre modem dans un appartement, ça pourra pas être très utile, voire même ça pourrait être contre-productif, étant donné qu'un modem ne peut pas être placé trop près du routeur non plus. Mmh. Mais par contre, voilà, imaginons que vous ayez une grande maison, imaginons que vous voulez avoir internet à l'extérieur, imaginons que vous voulez avoir des débits assez semblables à ce que vous avez lorsque vous êtes proche de votre modem, mais un petit peu plus loin. C'est là que le répéteur va pouvoir être utile. Alors, il est à placer dans la zone où votre modem est encore capable d'émettre du Wi-Fi, étant donné qu'il doit capter le réseau entrant du modem afin de le redistribuer après et de le répéter plus loin. C'est assez, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est ça. Et ici, Netgear nous a envoyé clairement, je peux dire, l'un des meilleurs répéteurs qui est à l'heure actuelle sur le marché. Il coûte aussi un certain prix, mais ça le vaut bien puisque c'est le Nighthawk X4S Triband Wi-Fi. Pourquoi Triband Wi-Fi? C'est ça. Alors en fait, c'est simple. Il coûte 110€, donc c'est plus ou moins le haut du marché au niveau des répéteurs. N'empêche qu'il vaut parfois mieux, et j'en ai fait l'expérience, acheter parfois pour un petit peu plus cher. Généralement, ça vaut entre 70 et 80 ou 90€. Alors qu'ici, on est sur 110€, c'est un petit peu plus cher. Mais parfois, il vaut mieux mettre un petit peu plus de prix pour avoir quelque chose de bonne qualité plutôt que d'avoir un vieux répéteur qui finalement vous servira pas à grand chose. Et d'acheter deux fois la même chose. C'est ça. Alors, ici, ce qu'il a de vraiment très intéressant, ce répéteur, c'est que en fait il est fait pour essayer qu'on l'oublie. Pour le coup, ici il n'y a pas de port Ethernet dessus, ça peut être un point négatif, mais on en reparlera après parce qu'au final, ça sert pas à grand chose de relier un câble Ethernet à un répéteur. Ouais, on verra après une alternative qui fonctionne par câble un peu plus loin, la CPL. Mais ici, le but du répéteur c'est bien de continuer à utiliser du Wi-Fi. Ce qu'il en fait ici vraiment intéressant, c'est qu'il utilise les deux bandes en simultané pour avoir les meilleurs débits et la meilleure stabilité. C'est à dire que vous savez, il y a le 2,4 GHz et le 5 GHz. Donc en fait, le 5 GHz c'est deux bandes et le 2,4 c'est une, et le 3 bandes c'est qui va en fait tout simplement cumuler les trois afin d'avoir les meilleurs débits. 7,4 GHz en soi. C'est ça. On peut dire ça, mais en gros le but c'est vraiment d'atteindre les meilleurs débits. Donc ça va jusqu'à 2200 Mbps. Alors il y a des plus hauts, il y a des plus bas. Ici c'est vraiment malgré tout pour une bonne connexion. Ça permettra même pour quasiment les meilleures connexions, et même pour la fibre, de l'utiliser. Et ça couvre jusqu'à 220 m². Donc 220 m² c'est quand même assez grand. C'est pas plus long que le Wi-Fi, mais ça permet quand même c'est de couvrir mal, ouais, une bonne zone. Ce qu'il a de vraiment intéressant, et pourquoi est-ce que moi je l'ai trouvé vraiment super, c'est qu'il a en fait le même SSID que votre modèle de
de base. Donc en fait, il va copier le SSID de votre modem de base afin de ne faire qu'un seul réseau. Okay, ouais. C'est-à-dire que tu n'auras pas deux réseaux. Moi, par exemple, chez moi, j'ai deux réseaux. Comme on a chez les routeurs. C'est ça, on a un réseau normal. Et puis, on a souvent, c'est avec EXT pour dire Extender. Tu peux le renommer, mais en gros, pour dire que voilà, tu as le réseau de base et le réseau étendu. C'est ça. Ici, pour le coup, il va prendre le même nom que votre réseau de base afin d'avoir un seul et même point Wi-Fi, point de connexion. C'est ça. Et lorsque vous allez vous déplacer dans votre maison ou lorsque vous allez vous déplacer à l'endroit où vous l'avez utilisé, ça va switcher automatiquement pour le meilleur. Alors, malheureusement, c'est géré par l'appareil et pas directement par le répéteur. C'est-à-dire que sur certains appareils, ça fonctionne pas très bien. Mais sur tout ce qui est téléphone, ça fonctionne super bien. Donc, en vous déplaçant dans votre maison, si vous l'avez mis par exemple dans votre chambre qui est assez éloignée de l'endroit où vous avez votre box, qui doit être, je sais pas moi, la cuisine ou le salon, votre téléphone va en fait se connecter au point le plus près. C'est-à-dire que si vous êtes plus proche du répéteur, il va se connecter au répéteur. Si vous êtes plus proche de votre modem, il se connectera à votre modem de base. Et c'est extrêmement intéressant parce que combien de fois ça m'est arrivé chez moi de me connecter à mon répéteur lorsque je suis dans ma chambre, de descendre à la cuisine et de me retrouver avec un wifi avec une barre. En fait, tu mets, alors que je... tu mets 5 répéteurs si tu mets 5 répéteurs, tu te balades un peu partout et tu auras toujours du wifi. T'as une sorte de wifi étendu à l'infini. C'est ça. Donc j'imagine aussi pour les entreprises ou même pour les e-sport house, tu mets des répéteurs partout. Mais même chez vous, si jamais vous avez une grande maison, malheureusement, si vous êtes en appartement, ce sera pas très utile. Mais si vous avez une maison d'une relativement grande taille, ça peut être très utile. Et par exemple, de nouveau, vous avez un PC portable ou même un PC, parce que si vous avez un PC en Wi-Fi, vous mettez ça à côté de votre PC, ça peut vraiment permettre d'avoir des débits presque aussi bons que si vous étiez à côté de votre box. Donc ça, c'est assez intéressant. Veillez bien à le mettre dans une zone où vous captez encore bien le Wi-Fi du modem. Pas le mettre trop loin non plus, Ça, c'est un petit conseil d'utilisation. Il y a moins de faire un chemin, tu mets un répéteur, puis un autre répéteur. Ne rigolez pas, c'est possible de faire. C'est possible. C'est possible. Alors, je sais pas si avec ce modèle-là, c'est le plus optimisé, mais il y a des modèles optimisés pour ça, où tu en mets un qui récupère le signal de l'ancien pour le répéter encore plus. Moi, je propose une vidéo à 10 000 likes. On essaye de porter. On essaie de couvrir un kilomètre. Un kilomètre de Wi-Fi. Sponsorisé par Nadir qui nous en enverra 250. Jusqu'au parc juste ici à côté. Voilà, on essaiera. La dernière alternative qu'on va vous présenter, elle nous a sauvé nous aussi, s'il s'agit de la CPL. Et ça va peut-être intéresser plutôt le gamer qui a son PC, son setup et qui a pas envie de Wi-Fi, qui utilise vraiment tout par câble Ethernet. Qu'est-ce qu'une CPL ? Une CPL, ça va tout simplement transmettre votre connexion Internet et non votre Wi-Fi par le chemin électrique de votre maison, on va dire ça, comment on peut dire, par les circuits électriques. En fait, ça va faire passer votre connexion Internet en parallèle avec le circuit électrique de votre maison. Alors, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'aller vraiment à des distances bien plus loin. C'est-à-dire que même si vous ne captez plus le Wi-Fi, vous pouvez malgré tout transporter votre débit Internet en parallèle avec l'électricité et donc vous retrouvez assez loin. C'est ça. Néanmoins, dans certains appartements, certaines maisons, les circuits électriques sont plus vieux et donc ça ne transmet pas correctement, par électricité, la connexion Internet. C'est ça. Mais dans la plupart des cas, ça fonctionne. Et donc ici, la CPL chez Netgear, c'est la CPL 2000. Pourquoi CPL 2000 ? Parce qu'elle réceptionne un débit allant jusqu'à 2000 mégabits par seconde, ce qui est vraiment excellent. Donc ici, on concerne très clairement la fibre. C'est ça, c'est vraiment pour les connexions très performantes. Et alors, qu'est-ce que ça a de particulier, la CPL ? Ce qui est hyper intéressant, c'est simple. Alors en fait, vous en avez deux. Vous en avez un que vous allez mettre à la hauteur de votre modem. Vous allez mettre dans la prise dans laquelle vous connectez votre modem ou une prise à côté, peu importe. Donc il y a également une prise femelle dedans, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la mettre dans une prise et rebrancher quelque chose par-dessus. Donc ça ne condamne pas une prise, ça permet de la réutiliser. Et vous allez tout simplement connecter un câble Ethernet de votre modem directement dans cette première box CPL. Ensuite, vous allez connecter la deuxième, vous allez la mettre dans une prise là où vous comptez tout simplement amener votre débit près de votre PC gamer si c'est le cas et si c'est ce que vous voulez connecter. Alors ça ne fonctionne pas par Wi-Fi cette fois-ci, mais bien simplement par câble, même si je sais qu'il y a des CPL qui font Wi-Fi et câble, ce qui peut être également très intéressant, mais ça c'est encore un autre délire. Qu'est-ce que cette CPL a de particulier ? Elle a un truc extrêmement intéressant, mais vraiment quand je vous dis intéressant, c'est vraiment au top, c'est qu'elle a deux port Ethernet. Et ça peut sauver des vies. Ça sert à quoi ? Ça sert de ne pas avoir besoin de deux CPL si vous avez deux appareils à connecter. Pas mal. Par exemple, vous avez votre PC portable gamer et un PC fixe, ou même un PC portable standard. Vous allez pouvoir connecter votre PC portable directement à la CPL et votre PC fixe également à la CPL. C'est vraiment utile parce que par exemple, chez nous, enfin chez moi en tout cas, quand on devait connecter nos PC, et bien simplement, quand on en avait deux, j'avais racheté une deuxième CPL et j'avais deux CPL en même temps. Et laissez-moi vous dire, déjà ça coûte beaucoup plus cher et ça sature encore plus les débits qui peuvent être transportés en parallèle du courant électrique. Donc, c'est le bordel. Et donc là, autant dire qu'avoir deux ports Ethernet, ça peut vraiment être très utile en plupart des cas. Si t'as une console, une tête de switch, un PC gamer, et tu peux mettre les deux. Voilà. Et ça, moi, je devais enlever de mon PC gamer pour mettre dans ma Xbox à l'époque quand je devais changer. Alors que là, avec les deux, ils peuvent être connectés en même temps. Donc voilà, la CPL, d'ailleurs, on sait jamais comment il faut le dire, mais c'est vraiment le moyen qui est aussi coûteux, 60, 80 euros même. C'est ça. Mais qui, si vous vous connectez, si tout simplement vous avez un PC gamer et que vous voulez connecter par câble Ethernet mais que votre modem est beaucoup trop loin, c'est vraiment un moyen qui est excellent. Le routeur, c'est vraiment pour ceux qui veulent utiliser le Wi-Fi. Le répéteur Wi-Fi, c'est de nouveau pour
allonger la portée de votre, voilà, de votre modem de base. Pour le téléphone, pour le PC portable. C'est ça. Voilà. Alors que la CPL, c'est bien pour vraiment avoir des débits comme si vous étiez connecté par câble. En tout cas, on espère que désormais, vous avez réussi à améliorer, à booster votre connexion Internet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle méthode vous allez utiliser ou vous avez utilisé tout simplement. Si c'est le cas et que ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez aimé la vidéo aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On approche très rapidement des 200 000 abonnés et le concours arrive à grands pas. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Flow Up, tout ça en description. En tout Affaire cas, PC. Affaire PC, voilà, tout est en description. Et puis, si vous avez aussi peut-être quelques questions encore pour améliorer votre connexion Internet, mettez tout ça dans les commentaires. En commentaire, on essaiera de vous répondre. On va se dire à la prochaine. Allez, à plus.